Bastion. La femme qui l'achète, c'est d'occasion. Car la brutine, c'est car la qui est vraiment difficile. Et depuis 1993, le gouvernement français, à travers son ministre de l'Intérieur, a changé le code d'entrée de séjour des immigrés. Donc les enfants qui naissaient en France étaient automatiquement français. Ils ont supprimé ça. Ils ont voté des lois qui durcissent l'entrée et le séjour des immigrés en France. Et nous, en 1996, on s'est constitué en collectif de sans-papiers après l'occupation de l'église Saint-Bernard. Et depuis cette date jusqu'à maintenant, chaque année, les lois changent. Monsieur Sarkozy, 2002, à maintenant, ça fait 9 ans, il a changé ou modifié le code d'entrée de séjour des migrants plus de 8 fois. Donc, ce qui veut dire que les migrants sont réduits au néant. Ils doivent se cacher. Et nous, on a créé le mouvement des sans-papiers pour se battre, pour dire que nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, on ne doit pas se cacher. On ne doit pas avoir peur de la police. On ne doit rien à se reprocher. Il doit y avoir la liberté de circulation. Comme eux, ils ont la liberté d'aller chez nous. Nous, on n'a pas la liberté de venir chez eux. Donc, il faut que ça change. Raison pour laquelle, en février, nous sommes allés à Dakar, au Forum social mondial, le 10 février, nous avons pris la décision ensemble d'organiser une journée mondiale de la migration qui est le 18 décembre 2012. Aujourd'hui, 18 décembre 2012, c'est la première journée de la migration au niveau du monde entier. Voilà, d'abord, moi je suis originaire du Mali et 80% des migrants noirs africains viennent de la zone du bassin du fleuve Sénégal. C'est la partie la plus migrante vers la France, vers l'Europe. Et ces gens-là, ils viennent en France, pas parce que le pays est pauvre, mais parce que les richesses du pays sont mal partagées, sont mal gérées par ceux qui nous gouvernent. Nos terres sont vendues aux miniers pour rechercher de l'or ou aux capitaux chinois pour cultiver de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire de l'éolienne, pour fabriquer une nouvelle énergie qui fait la concurrence aujourd'hui avec le nucléaire. Donc si nous sommes en France, c'est parce qu'on n'a pas de débouchés chez nous, on n'a pas de débouchés alors que nos pays sont riches. Je prends l'exemple du Mali. Le Mali aujourd'hui, c'est le troisième producteur africain de l'or. Mais la population souffre et que ces jeunes-là n'ont pas d'autre solution que de migrer vers la France. Donc si nous sommes ici, c'est grâce à ça. Sinon, nos pays sont potentiellement riches. Le Sénégal, c'est un pays qui est potentiellement riche, premier producteur africain de l'arachide. La Côte d'Ivoire est premier producteur de bananes, de cacao, de café. Le Mali, le Ghana sont l'un des pays qui produit le plus d'or du monde entier. Donc c'est des pays qui sont potentiellement riches. Donc je ne comprends pas pourquoi ces jeunes-là ils viennent ici. Parce que les bourgeois locaux confisquent tous nos sous, ce qui veut dire que la population souffre et ils n'ont pas d'autre solution à immigrer vers l'Europe, et notamment la France où on a un lien historique. Donc voilà un peu ce qui explique le fait que nous sommes beaucoup nombreux ici. En France, on peut dire que la grande migration, c'est d'abord le Maghreb. Après le Maghreb, il y a l'Afrique de l'Ouest et la Chine. Donc, ce qui veut dire que la migration, elle est partagée aussi en fonction des liens avec, comment dirais-je, le pays d'accueil et le pays de départ. Donc, nous, on a été colonisés par la France, donc on choisit la France pour venir. Ceux qui sont colonisés par l'Angleterre vont en Angleterre, ils ne viennent pas en France. Donc, voilà un peu, moi, c'est mon constat, quoi. Peut-être que je me trompe, mais si on fait le calcul,
C'est comme ça que les migrants se déplacent dans le monde entier. Donc je répète, aujourd'hui 18 décembre, c'est la première journée mondiale de la migration qui a été décidée le 10 février 2011 au Forum mondial de Dakar. C'est clair qu'on est dans une situation, on est dans un monde où, il y a la crise économique. Et quand il y a une crise économique, forcément ça a un lien avec le racisme. Les gens qui sont dans des situations de faiblesse, ils pensent que c'est la migration qui est responsable de cette crise économique-là. Donc c'est un lien, c'est forcé. Et quand on voit aujourd'hui la xénophobie d'État qui se passe en France aujourd'hui, notamment Hortefeux, Besson et Guéant, stigmatisent la migration. Donc on peut dire que c'est un pays aujourd'hui raciste que nous sommes en train de faire. Donc nous pensons que la seule solution, c'est de s'unir les forces de tous les militants pour que nous puissions quitter cette situation-là. Parce que dans un monde du 21e siècle, on ne peut pas accepter la xénophobie d'État. Bon, aujourd'hui, la crise financière, la solution passe par quoi? Il y a 30 ans, les écarts entre les salaires, c'est-à-dire entre le SMIC et le grand patron du 440, étaient de 25 fois. Aujourd'hui, c'est de plus de 400 fois. Donc, le problème se situe à ce niveau-là. Donc, ils sont devenus tellement riches que nous, qui sommes les clients à eux, on n'a plus d'argent. Donc, ce qui fait qu'il y a le problème de la crise financière. S'il y a récession, c'est parce que c'est les grandes puissances capitales qui sont le 440 et ceux qui sont, à Wall Street, qui ont tous les sous aujourd'hui et la population mondiale souffre. C'est ça la crise financière en réalité. Sinon, il n'y a pas de problème. Si on diminue le salaire de ces gens-là de 70%, le problème de la crise financière dans le monde entier sera réglé. Ben, on peut se poser la question, bien sûr, que s'il y a une démocratie moderne, dans une démocratie, il faut l'égalité de traitement, il faut la justice sociale. Et tout ça, c'est menacé. En France aujourd'hui, on peut dire que nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie, c'est l'égalité et la liberté et aussi, la justice pour tout le monde. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a deux justices. Une justice pour les riches, une justice pour les pauvres. Et voilà, on ne peut pas dire qu'il y a démocratie. Le problème principal, c'est que il y a aujourd'hui en France beaucoup de sans-papiers, dont les étudiants de famille et de personnes qui vivent seules et qui ne sont pas reconnus par la société, alors que ces personnes travaillent pour la plupart d'entre eux et les étudiants vont à l'école. Mais comme vous verrez dans le cortège, vous avez des étudiants qui, après leurs études, sont obligés de rentrer chez eux, ils sont carrément virés et du coup, on essaie de s'organiser contre toutes ces malfaçons. Alors moi, je suis arrivé il y a à peu près 10 ans en France, donc je suis venu pour faire mes études et pour travailler. Donc j'ai décidé de rester en France et de faire ma vie en France. Donc l'objectif pour moi donc, est de rester en France, faire toute ma vie, mais à la fin de mes études. Donc j'ai une forte envie de rester en France, mais les choses ne sont pas si simples parce qu'on reçoit souvent des obligations à quitter le territoire français à la fin de ses études. Donc c'est assez compliqué à vivre. Alors moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que j'ai de la famille en France, donc je suis venu rejoindre la famille qui est vivant en France et donc vivre ensemble et surtout vivre ici. Moi quand je suis arrivé j'avais pour but de rentrer chez moi, mais je me suis rendu compte que la vie ici était beaucoup meilleure, donc pourquoi ne pas faire un choix, et donc j'ai fait le choix de rester en France. C'est pour être plus fort en France, c'est assez compliqué. Vous avez plusieurs associations qui essaient de s'organiser entre elles pour mener des actions comme celle-ci. Et donc vous avez RESF, la Ligue des droits de l'homme, beaucoup de petites associations, même étudiantes, qui essaient de s'organiser, donc communiquer entre elles, former un bloc collectif qui permettra, j'espère en tout cas, de faire céder la politique. Sur ce sujet-là, c'est assez compliqué dans le sens où
il y a de la solidarité, la preuve, les gens manifestent ensemble, il y a de la solidarité, mais il y a aussi de la désolidarisation. Et donc ça se voit dans, quand on cherche un emploi, par exemple pour les étudiants qui à la fin de leurs études sont dans l'obligation de quitter la France, ou pour les jeunes étudiants qui sont même au lycée, qui reçoivent des obligations à quitter le territoire. Donc la solidarité est en cours de marche. Je veux dire, c'est qu'il y a du monde qui se met ensemble, on essaie d'aller vers l'avant ensemble, donc en un bloc collectif comme je disais. Donc c'est assez compliqué, mais je pense que ça viendra. Restons objectifs. Là c'est pour des raisons politiques, mais c'est pas comme mon collègue, donc c'est un peu différent, ça dépend des cas. Mais moi aussi là je suis en formation, je suis venu ici ça fait maintenant 2 ans, donc je suis en formation en bac pro de métallerie. Voilà, donc c'est comme ça en fait. Là, depuis que moi je suis venu, je n'ai pas trouvé de problème parce que je suis venu, je suis mineur, donc je n'ai pas trouvé de problème particulier. Pour moi, ici, ça se passe bien, je suis ma formation tranquille, voilà. Donc au niveau des papiers, maintenant, là, c'est un peu, c'est pas facile, ça dépend des cas. Et la colonisation a fait un peu de mal aux Africains parce que les ressources ont été pillées. Je dirais même l'Europe s'enrichit sur le dos un peu des Africains, parce que là, quand tu regardes un peu l'histoire, il y a d'autres qui sont venus juste pour leur intérêt. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, c'est pour leur intérêt, comme faire les routes et autres là, c'est pour juste acheminer les richesses africaines. C'est pas fait du tout pour juste aider les Africains, ils ont leur intérêt là-dedans. C'est pourquoi ils ont été là-bas. Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'il faut? Surtout il faut, bannir la corruption, parce que c'est le premier fléau qui est là, qui aujourd'hui, qui fait que l'Afrique est largement en retard. C'est la corruption. Donc quand on arrive à bannir la corruption, je dirais l'Afrique peut aller à l'avant, parce qu'on est riche. Comme si je prends le cas de la Guinée est un pays vraiment riche, qui a des ressources vraiment importantes. Donc si la corruption n'est pas là, le pays peut aller à l'avant. Je suis là depuis 2009, je viens de la Côte d'Ivoire et actuellement je suis sans emploi et je n'ai pas de dortoir et je n'arrive pas à survivre. En tout cas c'est très dur et je demande à l'Union, le président de voir notre cas, parce que nous sommes beaucoup dans cette situation. Vraiment c'est dur, c'est très dur. Et aujourd'hui où on parle, aujourd'hui mon pays est en guerre. Je ne sais pas comment faire. Donc vraiment je demande pardon. Encore plus, regardez mon cas. Parce que partout je passe pour le boulot, on me dit je n'ai pas de papier, je n'ai pas de séjour. Vraiment c'est très dur pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi c'est le gouvernement ivoirien qui m'a fait venir ici. Et nous, quand on arrive ici, nous sommes maltraités, les gens ne s'occupent pas de nous. Et par contre, quand le blanc il arrive en Afrique, ils sont joyeux, ils ont tout ce qu'ils veulent à leur charge. Et pourquoi pas nous? Nous sommes là, on vit, on fait tout pour eux, et ils ne s'occupent pas de nous. Ce n'est pas normal. Pas tout à fait normal. Donc on leur demande pardon. C'est eux qui nous ont colonisés. Et si on vient ici, on a un problème, c'est pour ça qu'on vient, pour qu'ils viennent à notre aide, à notre secours, et qu'ils nous aident pour qu'on puisse avoir notre conflit. Merci. Voilà. La France aujourd'hui, en bonne chance, tant de personnes qui cherchent du travail. C'est normal que de ce genre, c'est la porte pour l'argent, pour le logement. Beaucoup de personnes à la France, ils restent
plus 5 ans, ça tombe 2 ans. Ça, c'est difficile. Mais tout la même des responsabilités de la peur. Direction pour la préfecture, à la mairie, à la CAF, à Rassurance Maladie, obligé un coup de main. Ça, il y a beaucoup des immigrés, l'étranger, les Allemands. C'est obligé tout de ce genre. Et ça, obligatoire. Comme ça, les directions et les bourges. Bonne chance aux personnes. Bon les votes le mois prochain à vous 2012. Tout de ce genre, c'est obligatoire. C'est normal, beaucoup de personnes, ils dorment pour la route. Ça fait froid. Mais aujourd'hui, à la France, a beaucoup de chance. Mais moi, je m'appelle Abdrahman Hammo. Responsabilité, beaucoup de choses à la France. Pour tous, pour tous, pour tous.